Charles Coste es el campeón olímpico francés vivo de mayor edad. A sus 100 años tendrá el honor de llevar la antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos París 2024. Oui, porter la flamme, on m'a téléphoné que j'étais sélectionné. C'est tout ce que je sais aujourd'hui, vous voyez. Hein? Bien sûr, je vais essayer de le faire malgré mon handicap des genoux qui me font très souffrir. Et c'est un grand honneur, alors voilà. Mais j'en sais pas plus. Charles Coste tenía 23 años cuando alcanzó la gloria olímpica al ganar el oro en ciclismo de pista en la persecución por equipos. Aunque ganó la medalla de oro en Londres 1948, no pudo escuchar la Marsellesa. Descendu de vélo, bien sûr, nous étions les plus heureux parce que c'était notre rêve et notre but. Et nous sommes montés sur le podium, un petit podium. On nous a remis la médaille, mais la médaille, on la remettait sur un écran, vous voyez, pas autour du cou comme maintenant. Et un beau bouquet. Et ensuite, nous avons attendu un peu, et au bout d'un moment, on nous a dit « Vous n'entendrez pas la Marseillaise, on n'a pas trouvé le disque ». Voilà, un peu déçu, mais enfin, nous, notre but, c'était la médaille d'or. Ahora cumplirá 100 años el próximo 8 de febrero y portará el fuego olímpico. Ah ben les Jeux, oui, c'était mon rêve depuis ma jeunesse. J'ai toujours, comment dirais-je, rêver des Jeux olympiques, oui, parce que je trouve que c'est une belle confrontation entre les peuples et tous les athlètes, l'amitié et tout, malgré qu'on est concurrents. Voilà. Et ma mère disait que vers 12 ans, je disais que je serais général ou champion olympique. Voilà, j'ai préféré choisir champion olympique. Et donc, voilà, j'étais le plus heureux des coureurs à ce moment-là. Uno TV, information utile.